insight, elle peut être psychisme, des choses provoquantes. Il peut aimer, aider à se rendre compte. C'est assez compliqué pour certains de se projeter dans un futur j'aime. J'avais, on va dire, deux catégories de personnes. J'avais des personnes qui étaient prêtes à tout casser. Je vais casser ici, je vais casser de l'autre côté. Je vais tout casser pour que ça soit plus grand. Le j'aime, pour au point de vue personnel, est petit et vieillot. Il a besoin d'être retapé, d'être refait. Et j'avais certaines personnes qui considéraient que le j'aime actuel était parfait parce que c'est aussi la peur d'envisager qu'il va être autrement et qu'on va perdre ses repères. Il a fallu quand même qu'on travaille tous ensemble et qu'on essaye de se dire ben voilà, on va pas dénaturer non plus le j'aime, on va juste l'améliorer. Améliorer par ses matériaux, ses structures d'espace, et on va surtout améliorer la condition de vie à l'intérieur de ces espaces. Donc tout le monde a vraiment joué le jeu et ils ont tous commencé à réfléchir à ce j'aime idéal. Alors j'ai fait l'entrée, c'est l'entrée. Là c'est pour discuter. Le WC, les bureaux, les deux bureaux. Ça, à peu près une table ronde, pas avec des fauteuils, mais plutôt des strapontins, avec des canapés face à face. Ça conviendra bien. Peut-être crème, comme dans la cuisine, mais ici, c'est une autre couleur. Ensuite, on a avec une grande pièce là, pour bien pour faire les activités, pour bien bouger, pour bien circuler. Et puis des petites pièces intimes pour ceux qui veulent jouer aux petits jeux, aux chevaux, dames, aux échecs. Il y a eu des belles surprises sur les maquettes et des très bonnes idées sur les usages. Et sur leurs besoins. Ça sera un j'aime flamboyant, plus grand et beaucoup plus moderne, avec des pièces et du mobilier beaucoup plus avenant. Avec les usagers, on a réfléchi à un nouvel aménagement et une nouvelle organisation des différents espaces. Donc en fait, on a mis en place un premier espace d'accueil qui est situé sur une nouvelle porte d'entrée. Donc on a banni l'ancienne porte d'entrée. À la suite de ça, on a ajouté un espace bureau
Donc ça, c'est l'espace bureau administratif pur, hein, donc pour tout ce qui est comptabilité, direction, secrétariat, etc. Et le deuxième bureau est un bureau plutôt destiné aux adhérents. Après ce bureau, on a mis en place un espace de détente, un petit espace plutôt intimiste, vraiment prévu pour 4-5 personnes, pour jouer, lire, se reposer, etc. On a annexé la cour pour créer la transition avec le deuxième local. Et ensuite, un grand espace multifonctionnel, parce qu'il y a différentes activités qui sont mises en place par le GEM. Donc il y a une cuisine, donc ils font 2 jours par semaine des ateliers cuisine. J'ai connu le GEM avant les travaux, mais je trouve que c'est mieux maintenant. Ce qu'ils ont fait comme travaux, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est mieux qu'avant parce que c'est plus net, c'est plus arrangé. Tout a été repeint, tout a été, les chaises ont été changées, le mobilier, etc. On a des nouveaux locaux qui sont absolument merveilleux, c'est un endroit convivial. Julien a créé un espace avec des tables amovibles qu'on peut changer comme on a envie, ça c'est super. On peut se transformer en un atelier, en un réfectoire, en une salle de cinéma. Du coup, ça a attiré une clientèle plus jeune et plus de monde. On est passé peut-être de 15 personnes par jour à 30. Donc Rémi est venu nous voir pour la Biennale 2013, qui était sur l'empathie ou l'expérience de l'autre. Et ils avaient entendu parler d'un projet qu'on menait à la Cité du Design, qui était « Je participe à la rénovation de mon école ». Ils se sont dit « bah tiens, pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas la même chose ?» Vu qu'on a une activité au GEM qui est tournée justement vers les autres, l'accompagnement, l'échange et l'empathie. On leur a proposé de travailler avec eux et de monter un projet en fait ensemble, une expérimentation en design. On n'avait jamais travaillé avec ce type de public, donc des personnes en difficulté psychique. Donc pour nous, c'était aussi intéressant de se confronter à de nouveaux acteurs du territoire qui avaient envie de travailler avec nous. Moi maintenant, aujourd'hui, si j'avais un vœu ou un rêve, ça serait de me dire, voilà, est-ce qu'on peut sur d'autres territoires, d'autres régions, conduire ce type de projet en fait, et de se dire, voilà, en fait, c'est possible. Moi, je trouve que c'est super. Ah oui, là, c'est le lieu mieux. Ça rend les gens heureux, c'est vrai.